Yorkshire Terrier, plus couramment appelé York. C'est une race de chiens de petite taille appartenant au groupe des terriers et originaire du comté anglais du même nom. Les traits distinctifs de la race sont sa petite taille, poids maximal 5 kg, et son pelage long et soyeux de couleur bleue, grise et feu. Très populaire auprès du grand public et en concours, ce chien surnommé « Yorkie » a également été à l'origine d'autres races comme le terrier australien à poils soyeux. Le Yorkshire Terrier est un chien de petite taille à poils longs. Très compact, il se tient très droit. Le corps est compact, le dos droit, le rein soutenu, les côtes modérément cintrées. Le poil pend droit et de façon égale de chaque côté, partagé par une raie qui s'étend du nez à l'extrémité de la queue. Sur le corps, le poil est de longueur modérée, parfaitement droit. La garniture en tête est longue, d'un fauve, de couleur plus soutenue sur les côtés de la tête, à la base des oreilles et sur le museau où le poil est très long. La robe est de couleur bleue acier foncé, s'étendant de l'occiput à la naissance de la queue. Sur le poitrail, le poil est d'un fauve intense et brillant. Tous les poils fauves sont plus foncés à la racine qu'au milieu et ils deviennent encore plus clairs à l'extrémité. Le Yorkshire Terrier est un chien de compagnie petit. Le crâne est plutôt petit et plat, n'étant ni proéminent, ni rond. Le museau n'est pas long, la truffe noire. Les mâchoires et les dents sont articulées en ciseaux parfaits, réguliers et complets, c'est-à-dire que les incisives supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont implantées bien d'équerre par rapport aux mâchoires. Les mâchoires sont d'égale longueur. Les yeux sont de dimension moyenne, foncés, étincelants. Ils sont disposés de façon à regarder droit devant. Ils ne sont pas proéminents. Le bord des paupières est foncé. Les oreilles sont petites, en forme de V, portées droites ou courbées, couvertes d'un poil court. Leur couleur est fauve. En dépit de sa taille minuscule, le Yorkshire Terrier a su garder un tempérament de terrier typique. C'est un petit chien très vif, affectueux et têtu, qui apprécie beaucoup les sorties dans la nature. Comme n'importe quel chien, il a besoin de courir et ne doit pas être constamment porté dans les bras. Le Yorkshire Terrier est très joueur. Il aime demander de l'attention à son maître. Il est resté un très bon tueur de souris et de rats, mais du fait de sa taille, ne peut guère attraper d'animaux plus gros, bien qu'il aime aller les affronter. Bien qu'il soit naturellement incapable d'arrêter physiquement un cambrioleur, ses aboiements en font un chien de garde efficace pour donner l'alarme. Du fait de son fort caractère, le Yorkshire Terrier demande une éducation canine ferme. Il doit être traité comme n'importe quel chien, et non comme un substitut d'enfant. La plupart des morsures de ces petits chiens proviennent souvent d'une éducation inappropriée. Le Yorkshire Terrier, d'intelligence vive, peut aisément apprendre des tours ou des sports canins comme l'agility. Le Yorkshire Terrier, aimé particulièrement pour sa petite taille, est la race la plus adorée et la plus populaire du groupe des terriers. Le Yorkshire Terrier est un chien qui a un long pelage, il est alors nécessaire de bien en prendre soin. Pour qu'il ait un pelage brillant et soyeux et afin d'éviter les nœuds, il est important de le brosser tous les jours et de l'emmener régulièrement chez le toiletteur. Le Yorkshire Terrier a fait l'objet de plusieurs croisements avec différentes races de chiens. Si les croisements les plus connus sont le Bewey Yorkshire et le Morkie, il existe aussi d'autres croisements comme le Yoranian et le Yorkipo.
Connus pour être d'excellents chiens de ville, les Yorkshire Terriers sont idéaux pour les environnements d'appartement. Ils peuvent être un peu nerveux au début, donc les enfants un peu plus âgés qui savent comment manipuler les petits animaux sont préférables. Il est essentiel d'avoir la patience de se consacrer à un chiot Yorkshire Terrier, car il s'agit d'une race intelligente et affectueuse qui aime être avec ses humains. Ils aiment apprendre de nouvelles choses, alors prenez le temps d'apprendre à connaître la personnalité courageuse de votre chiot Yorkie et n'hésitez pas à les former à l'obéissance de base et à des tours amusants. Choisir d'adopter ou de passer par un éleveur pour votre nouveau chiot Yorkshire Terrier est un choix personnel qui nécessite des recherches. Heureusement, il existe de nombreuses ressources pour vous aider à trouver un refuge ou un éleveur qui propose des chiots Yorkshire Terriers sains et éthiques. Pour le nourrir, on préférera la nourriture sèche, croquette, de qualité premium. En général, on recommande de donner au Yorkshire Terrier 40 g de croquettes par jour et fractionner en deux repas. Veillez tout de même à prendre un type de croquette adapté à sa petite taille et sa race, si possible. Référez-vous toujours aux recommandations indiquées sur le paquet de croquettes industrielles. Attention à ne pas offrir trop d'aliments riches en graisse. En effet, le Yorkshire peut rapidement prendre du poids en raison de sa petite taille. Un toilettage mensuel par un professionnel est recommandé. En effet, le pelage peut mesurer 35 cm pour une hauteur de 20 cm au garrot et donc le problème de nœuds est fréquent. Pour prolonger les effets d'un toilettage professionnel et lui préserver un poil soyeux et brillant, veillez à le brosser et le peigner chaque jour. Son long poil doux et soyeux caractéristique nécessite une attention hebdomadaire, voire quotidienne. Même si vous le gardez avec des poils courts, brossez-le presque quotidiennement. Le Yorkshire Terrier est une des rares races qui ne mue pas. Brosser ses dents permet d'éliminer l'accumulation de tartre et la prolifération de bactéries. Ses ongles sont à couper régulièrement. Si vous êtes novice en la matière, il est recommandé de demander des conseils à un vétérinaire. Les yeux et les oreilles sont à vérifier chaque semaine pour s'assurer de l'absence de saleté ou de traces d'infection. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.